Mesdames, demoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live Réflexion. Réflexion aujourd'hui, nous sommes dimanche, le 11 août 2024. Très heureux encore une fois de plus d'être devant vous parce que, effectivement, ça faisait quand même un bon bout de temps qu'on n'a pas produit. C'est presque toute la semaine qu'on n'avait pas produit après à la dernière émission live que nous avions fait, à qui la faute. Donc nous avions fait, après cela nous avions une émission que nous avions fait. Et moi là je vois beaucoup de gens m'appeler pour me demander où est-ce que je suis passé. Effectivement, j'ai été un peu pris de court par un autre projet dans lequel nous avions donné un peu de temps parce que vous savez bien, nous sommes parfois tiraillés de gauche à droite pour essayer un peu d'être par-ci, par-là, partout en même temps parce que cela dépend des revenus que nous faisons. Et donc vous allez m'excuser pour ça, mais nous revenons. Et pour le programme, comme je vous avais dit, le programme de direct que nous avions dit qu'au mois d'août nous serons vraiment réguliers. Nous avons un problème avec notre software qui nous donne, en tout cas, il y a des choses techniques que nous ne maîtrisons pas encore, qui fait à ce que nous ne sommes pas capables encore pour l'instant de continuer régulièrement de vous venir en direct avec les directs. Nos techniciens, nous sommes en train d'y travailler et je crois d'ici la semaine prochaine, ce problème-là sera résolu. Donc, veuillez vraiment m'en excuser. C'est pour cela que j'ai jugé, bon, au lieu que c'est dimanche, parce que nous avions tenté, ça faisait 2 heures du temps qu'on est tenté d'essayer un peu de nous connecter, mais ça ne marche pas. Et c'est ainsi que je me suis dit, nous retenir encore pour attendre à ce que nous puissions finir le travail avec le live. Laisse-moi vous venir en aide avec ces réflexions que nous sommes en train de mettre sur, en principe ça devrait être en direct, mais aujourd'hui réflexion devra être encore en rediffusée. Vous allez vraiment nous excuser pourquoi. Nous allons parler de quoi? Nous allons parler du travail. Ça fait le deuxième mandat que le président de la République a dans ses mains pour diriger ce pays. Donc dans ce deuxième mandat, nous allons parler du travail, mes chers amis. Le travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que fait le gouvernement, ce que fait Félix Tshisekedi. Nous allons un peu décortiquer vraiment dans les moindres détails. Qu'est-ce qui se passe? Peut-on espérer que ce mandat, ce deuxième mandat, sera un mandat à succès avec tous les péripéties qu'il a, la guerre à l'Est, avec toutes les excuses qu'on est en train de dire? Parce que sur les 5 ans, déjà, il y a une année qui va tomber. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'août. Et donc, c'est presque, il ne nous reste que dans cette année ici, il ne nous reste que 4 mois pour que nous puissions rester avec le 4 ans pour Fatshi. Et dans les 4 ans, combien de temps lui faudra-t-il pour qu'il y ait finalement les fruits du travail qu'il est en train de faire? Voilà un peu ce qui va nous réunir un peu cet après-midi. Pour vous qui avez choisi de me suivre régulièrement, à vous tous mes abonnés, et vous qui me suivez pour la première fois, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. Nous avons besoin de vos abonnements. Petit à petit, nous sommes en train d'agrandir cette chaîne pour qu'elle puisse être une chaîne maintenant de masse. C'est pour cela, vos abonnements, vos commentaires nous sont utiles pour la propagation de notre message. Comme toutes les émissions réflexions, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin. Même si c'est dimanche, il y a d'autres journaux qui n'apparaissent pas le dimanche, mais dont les informations sont sur le net. Donc vous pouvez aller sur le net et puis vous allez vous informer et vous tenir informé sur toute la situation dans ces 5 journaux que nous avons retenus pour vous. Donc, suivons les grands titres et puis revenons. Nous allons nous retrouver dans le développement de notre sujet.
Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC, l'importation de l'énergie électrique, la SNEL au centre de la mafia. Goma, plusieurs tueries attribuées au faux Wazalendo. Et puis Rwanda prétend serment pour un quatrième mandat. Paul Kagame tire sur Kinshasa. Actualité.cd. Ici, nous allons au Sénat, élection au Sénat. Mon action repose sur un plan visant à mettre en place un Sénat efficace, moderne et accessible. Ça, c'est Jean-Michel Samaloukonde qui parle. Je suis confiant que nous n'aurons pas beaucoup de problèmes si nous répétons la même intensité de matchs amicaux. Ça, c'est Papi Kimoto, coach de Maniema Union. RDC, 238 décès en prison au premier semestre de 2024, une hausse alarmante. Congo profond, clôture de la Liprobakine, hommage aux légendes et sacres de meilleurs de la saison 2024. Et puis atteinte au patrimoine sportif congolais, un spectacle au stade de Martyrs s'est vendu pour un hôtel. Ça, c'est terrible. Et puis nous allons sur 7 sur 7. 7 sur 7, João Lourenço est arrivé à Kinshasa. Et puis, Jeux Olympiques, le judoka Arnold Kisoka demande sa disparition. Enfin, Zambie, RDC, la réouverture des trois frontières zambiennes au centre d'une réunion ministérielle, c'est lundi à Lubumbashi. On va terminer sur Radio Okapi. Bahouele, l'OMS appuie l'investigation des cas suspects d'Ebola. Beni, 150 civils tués à la suite d'attaques des ADF en un seul mois. Et puis le ministre Ayegana Gato appelle à l'engagement des jeunes pour la paix en RDC. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, merci donc pour votre fidélité. Finalement, je suis très ravi parce que ce que vous montrez comme fidélité à cette émission, à cette tranche, vraiment, j'en suis ravi et vraiment merci beaucoup parce que beaucoup d'entre vous, vous m'appelez lorsque vous aviez vu que deux jours, trois jours que je n'aimais pas. Mais en tout cas, vous allez vraiment être patient avec moi parce que Ezali Kamboupe, todo daka côté de gauche à droite, lorsque moi lipa et koki komona na côté kuna, on suspend un peu les choses parce que tout ça la kamakamunyo surtout en même temps. Donc vraiment veuillez nous excuser. Alors lelo ezali 8e mois, presque nous sommes le 11, donc dans 20 jours le 8e mois va tomber et nous resterons avec l'année que 3 mois pour que année Oyo Esila Tshisekedi aura terminé son première année de son deuxième mandat. Entre-temps, les choses ne vont pas vraiment à merveille. Les choses ne sont pas de son côté. Ou bien, les choses pour les Congolais, pour ce deuxième mandat, les Congolais continuent à souffrir. Les Congolais, en tout cas, n'ont pas de place aux Okende Molili et Zamakasi. On ne sait pas exactement qu'est-ce que nous pouvons espérer à la fin de ce mandat ici, au vu et aussi de tout ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a d'abord cette lourdeur administrative à mettre en place les institutions après les élections. Vous vous imaginez que nous allons aller dans 8 mois, donc toutes les institutions ne sont pas mises en place déjà. 8 mois, ça nous a pris beaucoup de temps pour mettre en place le gouvernement, ça nous a pris beaucoup de temps pour introniser ou bien mettre le Parlement. Donc les institutions, c'est cette année ici qui va pratiquement être une année où on peut dire que non, on a pris beaucoup de temps pour
implémenter d'abord mettre en place ces institutions-là. C'est toute une année que moi je peux dire que on ne peut pas dire qu'on peut dire que non année oyo on a fait ceci non batu bazwa kimbongo musala ezala kiti. Il n'y a pas eu de travail, on n'a pas travaillé. On a passé beaucoup de temps à discuter qui sera ceci, qui fera cela, des conciliabiles dans le mandat où Fatshi a eu la majorité suprême. En tout cas côté wana ya wana na ngina kota wana na nanani na transition ya basije mi balé. Pourquoi c'est fait comme ça? Pour nanini esali boye place ya wana toza komituna. Pourquoi ça s'est fait comme ça? Pour nanini finalement pourquoi? Comment est-ce que nous pouvons nous dire nini yango esalemi ke Fatshi azala asali musala te pendant une année oyo? Est-ce que c'est à partir de la constitution? N'a-t-il pas bien gagné les élections? Ça, ce sont les questions que nous pouvons nous poser parce que ça nous permet un peu de réfléchir, de nous situer ni nyangwezo kende malamu te, ni nyangwezo kende malamu. Pour nanini, toza musala ezalite, il n'y a pas de travail. On ne peut pas dire il y a eu une résolution ou bien une réalisation na ane mobimba oyo. C'est que nous avions passé toute une année à nous battre, à nous chamailler, à savoir comment est-ce que nous allons distribuer ces gâteaux-là. Pendant ce temps-là, les années passent, l'année passe, le temps passe. Donc le temps on a tout récupéré à un côté. Mais pendant ce temps, tous ceux qui sont en place comme ministres ou tous ceux qui travaillent ont eu leur salaire. Nous sommes là pour salémiter. Et lorsqu'on veut parler du travail, vous allez voir qu'on précipite les choses, on fait des choses, on fait de la maquillage. Leurs objectifs sont ailleurs. Ceux qui nous dirigent, leurs objectifs sont ailleurs. Baza ko beta beta biloko moko boye on dira oh non centre financier ba ko inaugurer ango likambo soki boyo ki bolobika likambo azando ils vont faire ba ko sala biloko moko précipitamment boye que nous savons que eza ki na programme te bandeko. Moi donc je peux vous dire que cette année ici Fatshi n'a pas travaillé. Et là, comme Asali Moussalate, Azalaki Kaka, qu'on a moyen et à quoi soit le pouvoir, c'est-à-dire il faut placer les gens. Mais ces gens-là seront là pour combien de temps? Déjà, il y a mon co. Hein? Et comme tu as commis le canis, que non, en janvier, ça la remaniement Moussous. Qu'a fait les gens qui ont été nommés? C'est par là que nous allons nous dire, par exemple, que Bandeko, nous avons une certaine léthargie. Et puis léthargie, on a ezako causé mboka na biso kende libosote. Vous voyez les gens qui viennent au pouvoir, batoa e baza nommé. Ils viennent, ils ne continuent pas la misala ya l'état. Ba continue à kana yango te ke non muninga asuka ki awa place ni nango nga na kozuela na memati wapi non. Tout le monde, quand il arrive, bato ba sala ki nanani, ba bebi sa ki mboka. Même dans ce mandat de Fatshi, vous allez voir, par exemple, tous les exemples, moko ya nani ya gouverneur à Kinshasa, tous ceux qui ont été nommés des gouverneurs. Rappelez-vous que j'avais, dans le temps, mis une vidéo sur tant ou babande qu'on nommé ba gouverneur, il n'y aura absolument rien comme changement. Pourquoi? Parce que bangonyo sobaza ko tsala na système moko. Système wana eza nini? Système wana ezali ko condamné au bato baza bauta ki ko zala wana. Aujourd'hui on est en train de dire que Ngobila a bébisi Kinshasa. Je prends tout simplement l'affaire anani ya ville à Kinshasa. Mais c'est partout la même chose.
okokende na ba province orientale, okokende na Kivu, okende par-ci par-là, vous allez trouver le même discours. Les gens qui arrivent, ils vont vous dire que nos bateaux ya kala, basala ki eloko mokote. Ils nous ont laissé dans les dettes, ils ont fait ceci, ce n'est... Donc, c'est ça qui justifie et que, bango, je vais vous donner encore aussi un exemple. Ministre à sport nouvellement nommé, Moussala Nae aye kotal, kolak sakeno na stade d'hiver, donc na stade de martyr, exact stade moko ya koukoufa. Parce que, kaf pesa ki, banani keno, bako légalisé en gote pour naba match. La première des choses que nous avons vues, na programme à ministre à sport, akendaki na stade, balakisi ba toilette, nenge poli, balakisi alobi, non, il y a beaucoup de travail qu'il faut faire. Nous avons beaucoup de travail. C'est-à-dire que Mouto azalaki wana, asalaki na e loko mokote. Donc, et comme il est si ko cheval de bataille na e, angwana po alakisa, mabe ya mutunsusu ou asalaki. La même chose, et où tu as, c'est comme une culture. Imposa et pas Nabiso. Vous allez voir par exemple, Félix Tshisekedi a condamné 18 ans à gestion à Kabila. Mais nous n'avons pas. Nous vous avions nommé là-bas pour venir travailler. Et travailler, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour comme un dénonciateur ou bien un opposant. Jamais batu nazo kamwa batu akai ya nani ya enfin les gens qui sont là au pouvoir aujourd'hui, tout ce qu'ils font c'est ce que mboke si kufakala mboke kufakala. Mais vous êtes là pour résoudre un problème, ce qui boya ki wana, parce que vous connaissiez que non biloko o ezo salema awa eza malamu te, voici nous ce que nous allons faire. Parce que on dit gouverner c'est prévoir. Maintenant, pendant les 37 ans, IDP s'attique à la gana opposition. Qu'est-ce que formule ligne à corrélever Mboka et Zalaka prévu pour que Natango Bozana pouvoir maintenant, bon, mais qu'à implémenter en go. On continue à attendre. Et nous sommes au deuxième mandat. Et comme il est sous yeke yeke tout ça. Maintenant, parlons du travail. Tout sur la camoussala. Moussala ni nango IDP ou bien Félix Tshisekedi a salaki. Et c'est là où vous allez découvrir que Félix Tshisekedi vient au pouvoir sans aucun idéal. Il vient au pouvoir sans pratiquement elo comme mon côté. Et lui-même l'a dit, yemoko alobaka ngo na 2018 alobi que non muto ayebi elo kwa ko sala zakaka o azalaki président. C'est-à-dire aujourd'hui, selon les dires des gens, batu o bazako loba o Kabila kozonga. C'est-à-dire que Kabila nde aza capable kaka kubongisa mboka oyo. Voilà encore une certaine aberration. Le Congolais ne sait plus. Biso tokanisaka kaka kinde mokonzi nde mutu akosala musala. Et c'est là où ça me choque. Bon, oui. Bien sûr, le président va répondre. Moussa Lanine, Salemaki, parce que c'est à lui qu'on a donné la direction du pays. Mais Moutouango, moi je pense que quand on vous donne un pays à main, vous avez les hommes et vous avez les têtes. Moussa Lanayo ezako faire fonctionner les institutions. Est-ce que Félix Tshisekedi, si on peut le juger aujourd'hui, que Asalinini pendant les 6 ans. C'est en comparativement avec les tâches que lui octroie la Constitution. Ces tâches, ça, tâche ou anezanini. C'est faire fonctionner, veiller au fonctionnement normal des institutions. Est-ce que nous pouvons dire que pendant 6 ans, pendant mandat il y a 5 ans passés, est-ce que Félix Tshisekedi était capable de faire tourner les institutions? Parce que c'est lui le garant de la constitution, de la bonne fonctionnement des institutions. Est-ce que Félix Tshisekedi était à même de se dire que non, ministère Oyo, en tout cas, est tamboli na ndenge, batunyo, surtout, ba moni, que non, Moussa le Salemi.
qu'est-ce que nous pouvons avoir comme bilan, comme je dis? Il y a tant passé à Tshisekedi à la tête de notre pays. Qu'est-ce que nous pouvons faire pendant les 5 ans? Nabanzi Eloko, mon côté, hein? On a continué à se plaindre que nos Kabila, Baby Saki Kabila, tout ceci, Kabila ceci, on n'a pas pensé comment est-ce que je vais travailler. On n'a pas pensé à cela. C'est ça le grand problème. Donc, nous sommes restés dans les guéguerres à pouvoir en disant que c'est moi le chef, tout ceci. Parfois, on dit que non, c'est la Constitution. Parfois, on me dit que non, Ingaï Zalaki, FCC cache tout ça. Pourquoi ça? Parce que, dès le départ, vous n'aviez pas eu une idée de ce que vous allez faire lorsque vous serez au pouvoir. Et lorsque vous pouvez concevoir un truc en disant que tant on a kozwa bokonzi, voici c'est là où je vais m'attaquer. Na kozwa bokonzi, na ko s'attaquer na problème boy. Chômage na ko jigile ango nini, na ko augmenter pouvoir d'achat à population comment? Et c'est par là que nous pouvons dire que notre président Oaza président malamu. Ici je veux prendre l'exemple de du fait Mangoufouli que son âme repose en paix. Le président tanzanien là a kotaka na musala a yebi nini ango kosala a komi ko réaliser ango jusqu'à ce que il a fait renflouer l'argent na ba banque tanzanienne o abandé kosala bat et le lancer est là o a remplacé qui après mort na c'est la dame là qui continue sur le même lancer de front parce qu'il avait travaillé avec Mangoufouli. Et c'est lui peut-être qui viendra avec, après la dame, va trouver un programme au Bazako Kende, Bazako Landela, Balobi Foto Salaboy, Balobi Foto améliorer secteur. Bon, Moutou Akoya Akoluka Moya Kosala. Simounia, la présidente de la Tanzanie, elle est venue, Akomi Koluka Moya Koluka Bambongo, tout ça.
parce qu'elle connaissait ce que Bazala na président na akufa parce que c'est elle qui était la vice-présidente. Mais chez nous c'est différent. Biso toza ko bundaka pona bokonzi. Mais musala ezalaka te. C'est pour cela quelqu'un comme gouverneur à ville à Kinshasa. Vous n'êtes pas un homme de terrain. Oyo makambo constant mutambaza ko sale la biso. Ce n'est pas comme ça. Faire fonctionner les institutions, ce n'est pas à toi d'aller chaque jour dans la prison, kuna tout ça, non. Bato baza chargé ko sala musala kuna bazo sala nini. Et moi c'est cela, c'est tant qu'on a za komona bongo na lobité as, OK. Ça c'est du populisme. Musala ya ministre za ko kende ko libérer batouté. Vous devez faire fonctionner l'institution et sala musala. Maintenant, est-ce que Natangozo Kendekuna, vous devez aller sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Vous n'êtes pas omnipotent, vous n'êtes pas omniprésent. Omniprésence na yo na omnipotence na yo ezali kolakisa comment va faire fonctionner l'appareil judiciaire mobimba sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais vous, quand vous venez, non, oh non, tokeka na makala, le lendemain, vous vous retrouvez, je ne sais pas, na prison pour tel. Dans d'autres, vous ne serez pas. Congo est amunene. Il n'y a pas que vous qui va commencer à travailler. Moi, je vis lorsque la première dame, donc pas la première dame, mais la première ministre, dès qu'elle a été nommée, la première chose à faire, c'est d'aller au Kendo au voyage. À Kena Bukavu, tout ça. Quel est l'impact? Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que donc, tu vas commander à Kako Salam, Salatango, Bakomonayo? Et moi, je crois que les gens ont tapé à côté. Les gens ont tapé à côté. Même les ministres aussi sectoriels, au bas ministre, ba ministère, moussous. Tant que vous nommez Kaka, yewana lobi bon, ok, ngana kozala sur terrain, ngana kozala boy, na kozala boy. Messieurs les gouverneurs de Kinshasa, ce n'est pas la bonne manière. Moi, ça, c'est mon point de vue. Yakoloba, un gouverneur, vous ne pouvez pas être sur terrain tout le temps. Oh non, Bobongi Sanzela, oh, nous avions vu les histoires avec Jekoko Finandren. Oh non, nganake nazo bongisa rond point. Ce n'est pas là, ce n'est pas ça le travail du gouverneur. Le ministre, ce n'est pas aller on a token de kozobabesh. C'est ce que vous êtes en train de dire que non to juger siko Tshisekedi. Est-ce que Tshisekedi combien de fois il est descendu dans Botala lorsque il a eu son dans son premier mandat avec les histoires de 100 jours. Vous les voyez tout le temps. Oh non, il est sur terrain. Oh, toko sala boy. Oh, toko tongela bino boy. Non. Ce n'est pas votre présence. Oko tourna katu mboka mobimba neni. La capacité d'organiser les institutions, ce n'est pas un état présent dans tous les bureaux. Non. Les gens doivent fonctionner et puis par rapport, il faut comme la yo. Vous devez être capable de faire travailler les Congolais. Il y a moins de place au Tolobaka que non, Moussa les athées. Pourquoi? Parce que Moussa la Nyonso, oh, il faut ça les manas na ba province, na banani Nyonso, et ya kakosa les manas Kinshasa. Bandeko. Voilà le sujet que je vous amène en vous disant que il est difficile aujourd'hui de dire que non, Tshisekedi a sala que Moussa la. Parce que descente na ye, ou bien à Koloba, que non, nga mtu na tonga ki zandu, ou nga na tonga ki mama yemo. Mais vous devez faire des hôpitaux sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Impact nini, kobongi sabalabala moko, soki na Kinshasa nde eko sala sur toute l'étendue du pays. Il faudrait s'assurer que les institutions qui sont étalés sur toute l'étendue du pays, puissent travailler, puissent fonctionner. Ce n'est pas, on va d'abord se consacrer, oh non, tant que nous avons balabala moko ya ouvira. Bon, calmez nous battu à Kivu. Et ceux qui sont à l'équateur, qui attendent, c'est-à-dire que l'institution va commencer à aller d'ici. Non, ce n'est pas ça le travail du président de la République, M. Tshisekedi. Nous pensons qu'il y a moyen de faire ça autrement. C'est tout simplement, même constat, c'est tout simplement être ministre, ce n'est pas que lorsque Moussa Lanaopo et Monana,
il faut zalaka toujours on a ba prison, il faut que ndaka yo moko banda juge parti, ça n'a pas de sens. Votre capacité de faire travailler les autres, parce que c'est ça le rôle du ministre. Le rôle du ministre, c'est faire travailler les autres en instaurant une ligne de conduite. Batuba kobanda ko sala ndenge nini pour que batunyo so basala musala et puis musala wana ngai na ya komona na bibon. OK, na senga ki par exemple boy. Et Salemi, qui a fait ça? Ce n'est pas toi, c'est toute la c'est toute esa institution mobimba. Daniel Bumbo lobi Kinshasa zali na salité belé. Yoano lobi bon ake kozwa ba militaire. Basala musala propriété na Kinshasa. Toi-même tu descends sur terrain. Et les gens qui sont censés de faire ça, batu bazala kate. Batu bazala kate vraiment au bazala baza service à hygiène, service à santé et zala kate. C'est-à-dire que ces gens-là ne travaillent pas. Mais il faut le faire travailler justement. Il faut qu'on fasse travailler Batouana. Vous allez le faire travailler comment? Par un plan, par une vision, en disant, Boza combien? Qu'est-ce qu'il vous faut? Batouana, Bakotika, la kotourne, Bapousse, Nabango, Balobi, bon, ok, génie civil, Ndemouto Kolongola, Rassalité, Bakolongola, on a parofélé. C'est pour cela qu'on se disait que non. Il faut que tout le monde ait une vision. Quand vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Donc, on a tourné, parce qu'il n'y a pas de gens qui peuvent réfléchir en disant, pendant que nous allons résoudre les problèmes d'insalubrité, nous allons donner du travail aux gens. Donc, on peut faire tout le monde. Et ces gens seront rémunérés. Parce qu'à ce moment-là, vous faire fonctionner, osons faire fonctionner service à hygiène, il y a hôtel de ville, na Kinshasa, service où ils ont chargé na ba salubrité. Musala na ngweza la kanini. Tant mususu ba tourna kana bango kaka, bazo zela ka ba bino gouverneur a kosala. Gouverneur yemo ko mtu azo sala musala ana, akoluka batu. Finalement, vous commencez à vous dérober de votre mission. Oh non, to créer entreprise moko boye tout ça, auto sala boye. Moi, je ne vois pas ça de cet angle-là. C'est ainsi que, dans le tout, 5 années à Félix Tshisekedi à la tête de notre pays, ce n'était qu'un passe-temps. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas l'évaluer. Nous ne pouvons pas dire que Tshisekedi a coûté qui mboka boye, le loi komi boye. Les gens maintenant commencent à comparer Tshisekedi avec celui de Kabila. Kabila pendant 18 ans. Les gens même commencent à se dire que non, parce que komi mingi le loi, parce que Tshisekedi a zo salaté. Tshisekedi a koloba ke non, eza foti nangate, Kabila sala ki 18 ans. Mais pendant les 18 ans là, eza neti na 5 ans ote. Donc, il y a une certaine cacophonie. Pourquoi? Parce que moutoua yaza na tete amboka na biso.